What's up les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'étais en compagnie de Johanna, mais bon, elle était un peu trop folle. Sauf j'ai décidé de finir la vidéo tout seul. En gros, j'avais fait tout ça, mais bon, le rec était pas top top. Et j'étais rendu à planter mes champs de weed. Ça va me prendre la lumière, ouais, bien entendu. J'ai pas de lumière, sauf faut aller chercher des torches. On va aller chercher des torches. On en a peut-être ici. Ah, du charbon. Et des bâtonnets. J'ai pas acheté le bon bois en plus. Je me suis trompé de bois. Comme un con. So, j'ai très le seum. Hop là. On va acheter des torches. Ouais bon. On a pas besoin d'autant, mais bon. 32 torches, je pense que ça va suffire. On va faire ça. Tac. On va acheter la cobble. Il y a toujours tout le temps plein de cobble. Hein. Ça, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. On va mettre ça là. On va faire le derrière après. Comme ça. Puis là, on va pendant ce temps-là faire ça. Je pense pas que ça prend de l'eau pour la weed. Enfin, je pense pas. Je suis pas sûr. Ok. Au pire, si ça prend de la weed, regardez bien ce qu'on va faire. Si ça prend de l'eau, excusez. On va faire ça ici. Au passage, vous pouvez acheter de la graisse comme ça au shop, hein, si vous vous demandiez. Je vais aller en acheter tout de suite après pour vous montrer. Assez pratique quand même. Je vais aller chercher des seaux d'eau aussi de toute façon, ouais, pas le choix. Fait qu'on va finir la décoration de ce côté-ci. Les champs de weed, les amis, comme je l'avais expliqué, c'est pas des champs automatiques. On peut pas faire des champs de weed automatiques. Du moins pas pour l'instant, j'ai pas encore de solution. Quand j'aurai une solution, je vous en dirai plus. Mais là, pour l'instant, aucune solution me vient à l'esprit. Sachant qu'on fait un courant d'eau ici. Ouais, courant d'eau qui va passer tout là. Ouais. En fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que le courant d'eau va sur un truc seulement. Ça arrive sur ce truc là. Hop là, ici. Pour que ça descende ici. Quand ça arrive ici, ça explose. Comme ça. Ok, fait qu'on va aller au workshop. On va aller acheter tout ce qu'on a besoin. Alors bois plus seau d'eau. Au calme, on va être capable d'acheter ça. On va bouffer ça. Et puis on a F, voilà. On va aller acheter du bois. Tac tac, 200. Super. Ensuite, whoop-a-lay. Oh, boum, je suis dessus. Ensuite, c'est quoi qu'on avait besoin d'autre? Whoop-a-lay, je me suis trompé. Moi, je suis trompé. Carte. Slashback. Super. Alors, on a ce qu'on voulait. Là, avec ça, regardez ça. C'est exactement ce que je disais. Voilà. Par exemple, il faudrait faire ça plus grand encore. Peut-être de chaque côté, là. Parce que si je fais ça comme ça, peut-être que ça va remplir, là. Non, pas encore. Pas tout de même pas, mais bon. Ça va nous faire quand même une bonne partie du truc de fait, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais aller chercher la pelle qu'il y avait tantôt là-bas. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir rajouter des trucs. La pelle, voilà. Pourquoi je recule des fois? C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est bizarre. Comme ça. Là-bas, on va bloquer ça avec un piston. Ah, ça va peut-être pouvoir être automatique dans le fond. Si on y pense bien comme il faut. Techniquement. Comme ça. Ça va être nos champs de weed. Puis ici, on va refaire d'autres champs de weed. So, techniquement, si on fait ça. C'est nickel. Good. So, on va faire un coffre là. Comme on fait d'habitude. Je vais aller chercher un coffre. Ou du moins en crafter un. On va utiliser du bois. Comme ça. Comme ça. En soir, les amis, il y a du hockey, tabarnak, go, abs, go. C'est le coffre, il est là. Je vais acheter des hoopers. Je crois que les hoopers sont ici, exactement. Ah, j'ai pas assez de hoopers. On va aller acheter des hoopers au shop. En plus, il y a des gens qui achètent dans le shop. Comme vous voyez, aujourd'hui, on a atteint quand même un bon record de connectés, les amis. Il y avait max de gens, c'était vachement cool. Oh là là. J'ai kiffé, on va acheter des super, on va faire un slashback, on va aller faire ça. So, ouais, c'était vraiment cool, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment chill. Voilà, fait que là,
On va compléter ce qu'on avait à faire ici. Voilà. Tac, 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 tac. Ok, ce sera pas la même chose de l'autre côté. Après ça, il faudra juste inventer un système de piston pour pouvoir gérer le truc. Pendant ce temps-là, oh, qu'est-ce que j'ai jeté? La pierre, on en aura besoin. Les graines de weed, on va aussi en avoir besoin. Ça, faut pas les jeter. Ouais, pas tout de suite. Là, plus ça. On pourrait rajouter ça en dirt. On va mettre ça tantôt en dirt au pire. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter les torches. On va faire du bois. On va faire slash craft. Là, je peux pas répondre à vos messages, les amis. Je suis désolé. On va juste prendre des sous. Voilà. Ok, 12. Parfait. C'est assez. On va ensuite faire ça. 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 Hop là. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Voilà. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on va faire ça. Mettre ça ici. Mettre ça ici. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, ça va techniquement glisser jusque dans les hoopers. Alors, on va peut-être perdre quelques morceaux de notre récolte. Mais bon, c'est pas si grave que ça au final. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous ai expliqué, la genre de porte, si on peut dire ça ainsi. Du moins, le système de piston ici, qui va rétrécir ça. Qui va venir les enclencher, disons. So, comme ça, je vais aller acheter deux pistons. Puis on va se... On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, les copains, inquiétez-vous pas. Ça fait des longs épisodes, je sais, mais bon. C'est ce que vous aimez, je crois, des longs épisodes. Anyway. Tac. 5. Slashback. Slashback. Voilà. Ok, il s'est pensé drôle, mais il l'était pas du tout. XD. Tabarnak. Qu'est-ce que j'aime sur le serveur, c'est que personne ne sait que je filme. Personne ne le sait, c'est. Ok, comme ceci. Ok, et là je vais aller derrière. Parce que vous me connaissez pas les amis, mais je suis un pro de la redstone. Si vous le saviez pas maintenant, vous le saviez. Vous le savez, du moins maintenant. Ok, comme ça. Hop là, hop là, comme ça. Et puis en gros, nous c'est de activer les redstone ici, mais je suis pas sûr que si on fait... attends. Vous savez quoi? On va juste agrandir un peu le truc là. Jeter un peu de cobblestone. On va se mettre en game mode, on va tester quelques petits trucs. Ok. Redstone. Ça, plus un levier. Ok, ça, ça met pas en marche. Ça, techniquement, faut utiliser ce bloc-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon? Ça serait ça. Ok, ouais, on va se remettre en survie, c'est ce qu'on va faire. Ok, good. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le déplacer de 1. En gros, je vous explique. C'est assez simple ce que je veux faire là. Ben, c'est simple pour moi, mais ça peut être assez complexe pour d'autres. Je crois, pas certain. Enfin bon, nous notre but ça va être de bouger tout le mur qu'il y a là. Pour que l'eau sorte du mur. Techniquement, c'est assez faisable, je crois. Ça, on va le chiater le piston, vu que c'est un piston qu'on avait pris du game mode, puisqu'on avait justement 5 pistons anyway. Voilà. Ici, ça va être de la cobble comme ça. Ça, c'est un avantage quand même. On peut tester des tout, tout plein de trucs quand on est... en game mode. Ensuite, comme j'ai dit... ça, comme ça, comme ça. Quand les trucs sont activés, ça fait ça. Ça fait ça. Et là, dans le milieu, on va faire ça. Voilà. Ok, ok.
So maintenant, faut se trouver le système qui va allumer les deux. En fond, la même chose. Hein. Faut que les deux systèmes soient reliés. Ça va nous prendre la redstone. Et tout ça, je vais faire le système et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Yo. Je suis rendu à moitié. Je pense que je l'ai là à faire. Faut juste que je trouve une solution pour passer le fil ici tout le long. Mais je pense qu'on a la solution, les amis. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça ici. Comme ça. Ah non. Ça va pas détonner le piston, right? Ouais, ouais, c'est bon, on est correct. Ça comme ça. Ici, on va mettre le repeater, comme ça. On va continuer, au fond. On va continuer ce bord-là. Ok, voilà. Voilà. Encore un peu plus loin. Voilà. Ici. Fait que là, ça c'est parfait. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac. Oh shit. Tac. Tac. Parfait. Parfait, 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 parfait. Ça c'est good. Ça c'est good. C'est good. Ça c'est good. Ça c'est good. Ok. Maintenant, mon levier ici. Pas sérieux là. Quand on l'allume. Good. Good, good, good. Il se met en marche. Ok. Fait que là, techniquement, là, il y aurait des blocs là. Ouais, right. Des blocs là. Oh, pas là, on va juste bloquer le milieu. Mettre les deux pseudos que je te parlais juste là. On va faire un test, hein, les amis. C'est juste un test, inquiétez-vous pas. Anyway, ça prend du gazon ici. Je vais chercher. Ok, la cactus, elle avance. Je vais chercher qu'est-ce que j'avais besoin. La terre et qu'est-ce que j'avais besoin d'aussi ou d'autre. Je me souviens plus. Seau d'eau. Seau d'eau. Pillage. Ah voilà. Tac, on a besoin de la terre. Fuck. Voilà. De toute façon, il y aura un clear lag bientôt. On va aller là. Puis on va compléter notre. What? J'ai encore jeté la terre? Ensuite on va faire ça, fermer ça au milieu. Regardez bien comment on va le fermer de côté en mode swag. Comme ça on va tester qu'est-ce que ça donne. Tellement un pro de la redstone que je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah ouais, mais faut faire des circuits inversés. Parce que nous on veut que ça soit inversé. Fait qu'il faut faire ça. Là, il faut faire une tâche de redstone. Ok. Ouais, non, je suis pas très bon à redstone. C'est tellement mec. Ah oh, mais c'est des sticky pistons qui s'apprend. Un sticky d'icône. Ah oh, qui est épais. Oh my god, ça prend des sticky. C'est pour ça que ça fait ça. Ah ben oui, toi. Chris. C'était si... ok. 4 sticky pistons slash back. Ah oh, sticky, c'était si simple que ça.
J'arrive pas, voilà. Bon, ça fait pas comme je l'espérais. Comme ça, en gros, ça fait juste une ligne droite, right? Right, ok. Ouais, c'est pas exactement ce que j'espérais, là, mais... Mais bon. En fait, non. Ça va être ce qu'on espérait. On va faire le saut. On va faire mettre le saut plus haut. Exactement là. Comme ça. Même chose là. Tac, tac. Tac, tac, tac. Comme ça. Fait que quand on va faire ça... Ils vont aller se terminer là. Puis là, ici, 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 ici. Ça va se terminer jusqu'à là. Wouhou! En gros, il y a juste ici qu'il faudra récolter à la main. Bon, c'est quand même chill comme circuit, hein. Moi, je trouve ça cool. Si on va l'éteindre. Ah, c'est cool, c'est cool. Ok, c'est cool. So, ça, je vais aller chercher ça. Je vais mettre de la terre. Et de la weed. Ok, fuck off l'appel. Je t'écœuré. Slash F. Slash F. T'as juste appuyé sur F, ça le fait, mais bon. Détail. Tac, tac, tac. Tac, tac. On va faire ça comme ça. Ok, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. There you go, my friend. Tac, 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 tac. Ok, easy. Ensuite, on va prendre la houe. On va lâcher des pouces de weed. Workshop quand même. Ouais, j'ai refait les enchantes. Au calme. C'est plus... acheter 60. What? 60. Slash back. Ok, au calme. Tac, tac, tac. Et là, on va pouvoir faire ça. Puis en gros, quand la weed va être prête, mes copains, pourquoi avoir fait ça ici, là? Très simple, vous allez comprendre. On va mettre la lumière en plein milieu. Sinon on n'aurait pas été capable de mettre de la lumière. Mais bon, je sais que les poteaux blancs c'est moche, mais le temps que je trouve une idée, on va mettre ça, ok? Merci de parler, s'il vous plaît. Puis là, on va faire ça, 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 parce que là, bien entendu, vous avez compris. On va mettre des trucs là, mettre des torches là, là. Si je pense que ça touche pas là. Et on va planter de la weed. Savez-vous planter des choux? Oui, savez-vous planter des choux? Je crois qu'il faut mettre de l'eau directement ici, je crois. Ouais, je suis pas certain en fait, mais bon. On va quand même en mettre pour que ça pousse, là. Je pense qu'on en a besoin de l'eau pour pousser, so... techniquement on n'a pas le choix. Si on veut des plantes en santé. Si on veut des plantes en santé, vous avez compris la blague? MDR. La weed c'est censé être bon pour la santé, si vous n'avez pas compris. La blague est là. Voilà. Je vous l'explique, fait que c'est plus vraiment une blague, mais bon, voilà. Tac, 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 tac. Ensuite, on va replier ça, on va faire ça. Voilà. Je vais mettre ça là. Mettre ça là. Je vais planter de la weed encore là. Voilà. Et puis les amis, quand ça va être full weed, ben, je vais vous reprendre en fait. Pour pouvoir faire ensemble tout ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne. Voilà, voilà, voilà. Attendez, voilà. Je pense pas que ça redonne des graines de weed quand on replante. Je suis pas sûr. Ouais, ça replante, ça leur donne. Là, il manque des soleils. C'est quoi qui manque?
Il manque de soleil, il manque d'eau. Ok, il faut que je règle tout ça. Et puis, moi je vous dis à tout de suite les amis, à la prochaine, c'était Icon de Pikachu l'Internet, j'espère que vous allez bien. MDR, c'était l'intro de la mort qui tue. Enfin bon, le chant de Weed est terminé les amis. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Icon. Ciao.